Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve mardi 26 mars et il est 10h35. J'ai déjà mon manteau et tout parce qu'en fait, je voulais grave sortir avec Ali. On avait vite fait des bricoles à prendre. Et le truc, c'est que moi, j'attends un colis et je peux géolocaliser le livreur en fait. Genre, il est à côté, il vient pas, je comprends pas. Et je peux pas le contacter, bien évidemment. Et du coup, bah, j'attends pour pouvoir sortir. Donc, vu que j'avais deux colis à mettre en point relais, c'est des colis Vinted. Bah, Ali m'a dit il y va en attendant. Et soit le livreur, entre-temps, il arrive, Ali va me récupérer, on va ensemble. Soit je vais être punie ici. Et puis voilà. Je voulais sortir, j'avais des trucs à prendre et tout. Enfin, bref, c'est pas grave. Autrement, j'espère que vous, ça va. Et j'espère sincèrement pour moi que ma journée sera meilleure que celle d'hier. Hier, si vous avez suivi, c'était hyper dur avec Sohan. Mais Inch'Allah, aujourd'hui, ça va bien se passer. Et là, en tout cas, il est trop content. Genre, son père lui a dit, allez, on va sortir, on va faire des petites courses et tout. Il a couru, il est parti mettre ses chaussures parce que monsieur, il met ses chaussures tout seul. Il était genre trop content, il était là, manteau, manteau. Genre, il voulait trop sortir avec Ali et tout. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous ramène avec moi pour cette nouvelle vidéo. C'est parti, let's go! Je vous retrouve, j'attendais le livreur, mais en fait, j'ai vu qu'il s'éloignait, qu'il était parti carrément dans une autre ville. Je sais pas trop comment ils font pour les livraisons, mais moi, je pensais que vu qu'il était à côté, qu'il allait passer, mais en fait, non, il est parti à l'opposé d'où je vis. Et bah écoutez, je me suis dit que j'avais largement le temps là d'aller faire mes courses, donc Ali m'a récupéré. Là on est passé à Aldi, on a pris vraiment quelques bricoles, genre on a eu pour 20 euros. On a fait archi vite puisqu'il nous reste que quelques minutes, il faut qu'on récupère les filles à l'école. Puis écoutez voilà, donc ça a été assez expéditif, on a fait vraiment ce qu'il fallait faire. Oui mon amour, là je rentre à la maison et je vous montre ce que j'ai pris. Mais principalement on était quand même parti pour les yaourts de bébé Sohan. Bon, du coup, je vous fais le petit retour de course. Comme je vous ai dit, on n'a pas pris grand-chose. On en avait pour 20 euros. Donc, j'ai pris deux paquets de yaourts comme ça aux fruits pour les enfants. Et en fait, ça nous dure quand même pas mal de temps. Il y en a 16, 32. Donc, 32, sachant qu'ils en mangent un le matin, un midi, un le soir. J'ai pris du beurre demi-sel. Donc, j'ai pris celui-ci. Ça, quand je fais des gâteaux et tout, j'aime bien mettre du beurre demi-sel. J'ai pris une mozzarella. On a pris, bon c'est vrai que je fais de plus en plus de gâteaux maison, mais là on a pris ça et ça, vraiment pour dépanner, et ça faisait longtemps que j'avais pas pris de gâteaux maison. Mais comme je vous ai dit hier, j'ai eu un coup de mou, de faiblesse, des manques d'énergie et tout. Je me suis dit je préfère avoir des trucs à la maison si jamais je me sens pas de faire un goûter maison. J'ai pris des oignons jaunes, des tomates et des fraises. Je pense qu'on va faire un petit dessert tout simple à la fraise ce soir. Fromage blanc, un petit peu de sucre et des fraises coupées dedans, c'est très bon. Et je pense que les enfants, ils seront contents. Donc là, écoutez, je vais ranger tout ça et on se retrouve. Allez, Sohan, il a kiffé les fraises hier. Ouais. Je vais lui donner là. Bon, je suis rentrée, j'ai déposé les enfants à l'école. Ali a mis Sohan à la sieste. Il a pleuré pendant 10 minutes. Là, je crois qu'il s'est endormi. Bref, du coup, moi, c'est des personnages Tony que j'ai reçus pour une vidéo UGC. Donc, écoutez ma foi. Je vais regarder un petit peu, je vais re-regarder mon script. Comme ça, je me prépare pour demain. Et après, je vais aller faire du pain et je vous partage la recette. Ce soir, je vais faire des burgers maison et donc je vais préparer mon pain, tout simplement. Ça va être pas beaucoup de cuisine aujourd'hui. De toute façon, ça va être hyper rapide et simple. Tout va se faire au air fryer. Voilà. Du coup, avant de m'accorder mon me time, là il est 13h35, avant de m'accorder un petit temps que pour moi, j'ai préparé mon pain. Donc moi, je vais m'aider du Thermomix. En vrai, sans Thermomix, vous pouvez très bien faire. Hein. C'est juste que pour pétrir, c'est une facilité. Et pour ce qui est de la recette, je vous l'aurai soit écrit avant, soit je vous la mettrai en barre d'infos.
Bon, je vous retrouve. Franchement, j'ai passé une trop bonne après-midi. Je me suis grave reposée. J'ai regardé des vidéos de Yanissa et Dominique. J'aime trop. Et il y a Sohan qui nous a, qui m'a rejoint. Elle est partie bosser. Sohan, tu fais coucou? Ouais, il a super bien dormi, donc je suis trop contente. Là, je vais lui faire la couche. Sinon, les filles, concernant la voiture, je vous ai dit que je la mettais en vente sur YouTube. J'ai eu franchement beaucoup de demandes. Et à chaque fois, c'est la même chose. Les gens sont trop choqués du prix. Après, il faut savoir, nous, on l'a acheté 30 000 euros cette voiture. Donc, je vais pas la vendre 15 000 euros parce que bah, elle vaut beaucoup plus. En plus de ça, on l'a fait estimer et notre prix est ferme. Donc, je pense que c'est mieux pour nous qu'on la mette sur le bon coin. Comme ça, ce sera moins délicat pour moi parce que là, bah, parfois, ça part dans des négociations et du coup, je me retrouve un peu gênée. Donc, vraiment, je la vendrai pas sur YouTube. Je vais la mettre sur le bon coin. Voilà, tout simplement. Là, je vais faire la couche à Sohan et. Et après, on va aller récupérer les filles à l'école. Mais en tout cas, cet après-midi, elle m'a fait trop, trop du bien. Allez, mon doudou, on y va? On va chercher les sœurs? On s'est changé. Il a très bien dormi. T'as bien dodo, mon amour? Oui. Ok, on prend. Ouais. On prend la poussette? Et cacher ça. Oui, bah, tout à l'heure, quand on rentre? Et cacher. Qu'est-ce qui est cassé, mon chaton? Camion. Oh. Bah non, il n'est pas cassé, mon cœur. Celui-ci, d'accord. Tu veux quoi, Doudou? Tu veux du lait? Non, pas du lait. Pas du lait? Oui. Tu veux du lait? D'accord, je vais chercher. Le temps est déprimant. On est sorti. Il pleut, mais genre vraiment beaucoup. Il pleut de fou. Et on est un petit peu tous trempés. Bref, je vais servir du lait à Sohan. Les filles sont en train de prendre le goûter. Enfin, de se servir en tout cas un goûter. Je vais aller mettre mes petits pains à cuire. Je vous disais, je vais les faire au air fryer. Attendez, je ne me vois plus. Ouais. Enfin, je fais la pâte. Tranquille, avec mousse, trop bien. Ça n'a pas monté de fou. Mmh. Quoi que si. Elle est comme ça, la pâte. Elle n'a pas monté. En fait, elle a fait de la pâte à pizza. Non, c'est pas de la pâte à pizza, c'est une pâte pour faire des petits... Ah, c'est parce qu'elles sont la pâte à pizza. Oui, c'est un peu la même odeur. Donc bref, je vais juste ranger les vêtements d'abord, comme ça je bouge l'étendoir, il prend trop de place. Et après, je vais m'occuper de mon pain. Les enfants vont aller jouer en haut, alors vous pouvez faire vos devoirs soit aujourd'hui les enfants, soit demain. Comme vous. Demain, je serai pas bien. Pourquoi? Ah, tu vas jeûner, oui. Bah, comme tu veux. T'as quoi en devoir? Alors moi j'ai des divisions à faire. Mm-hmm. Les divisions posées, j'aurais trois en trois. Okay. Et à conjuguer des verbes, c'est comme ça. Ok. Et toi, une Laina Rose? Moi j'ai tauchi. Ouais. À faire quelques... Est-ce que t'as fait la poésie? Non. Mais pourquoi vous apprenez une poésie si vous la récitez pas? Ça me rend ouf ça. Oui, c'est vrai. Je vais toujours faire un mot à ta maîtresse, je vais dire non mais... Interrogez-la en fait. On a pris une semaine à la prendre là. Oh. Mais je t'avais dit de demander, tu l'as pas fait? C'est ça avec Sohan? Moi je lui ai demandé, elle m'a dit non pas aujourd'hui. Ok, bah, écoute, on va quand même la réviser. J'ai pas mon code poésie. Bon, je la connais pas. Moi aussi je la connais par cœur. Tout le monde connaît ta poésie, on va pas galérer. En fait. Bref, allez go pour la suite de cette journée. C'est sûr qu'il y en a. Bon les filles, je vous retrouve, on passe à la cuisson de mon poulet et de mes frites. Donc je les ai mis dans ce fameux air fryer. Franchement, il est incroyable. Je vais voir comment ça se passe. Ah non, je veux pas préchauffer. Ouais, moi je préchauffe pas. Donc bref, c'est parti pour la cuisson de mes frites ainsi que mon poulet. Là je vais venir m'occuper de mon pain, donc je vais former des petits ronds là à burger. Je vais mettre un jaune d'œuf dessus. Enfin, en vrai, je vais mettre un œuf en entier, flemme de mettre que le jaune. Je vais mettre un œuf et après, je vais mettre des petites graines de sésame. Ce sera très bien parfois. Donc, écoutez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de cuisine à faire et franchement, à mon plus grand plaisir, j'ai pu me reposer, genre vraiment. Et là, Sohan est trop bonne humeur. Non, vraiment, la clé, c'est qu'il fasse des siestes. Genre, vraiment, il faut qu'il prenne les siestes.
Du coup, je vais vous montrer la cuisson. Moi, je trouve que c'est juste parfait. J'ai juste fait ça à mi-cuisson, mais sinon, franchement, j'ai rien fait de plus. Et là, pour ce qui est du poulet, oh lolo, il a l'air excellent. On voit à quel point il est croustillant. Oh lolo lolo. Et il est vraiment très bien cuit. Rien à redire. Franchement, ça a l'air top. Maintenant, passons au petit pain. On verra ce que ça donne. C'est vraiment la première fois de ma vie là que je vais faire du pain dans un air fryer. Donc, c'est parti. Bon, du coup, voilà les petits pains. Je vais les mettre à 180 pendant 15 minutes. Et c'est parti. Là, ça sent très bon. Pour vous montrer, là, on est à 4 minutes de cuisson. Ça a commencé à vraiment bien cuire. Franchement, c'est très très rapide. Donc là, ouais, plutôt 4 minutes, 5 minutes, parce que moi, j'ai mis 15 et que là, il reste encore 10 minutes. Mais c'est hyper, hyper rapide. Du coup, écoutez, je vais mettre pause. Il faut vraiment que je vous montre, c'est une dinguerie. Est-ce que vous arrivez à vous rendre compte ou pas? Et franchement, je vais pas le laisser longtemps encore. Hein. Je vais laisser encore peut-être 2 minutes et après je l'enlève du air fryer. Mais c'est incroyablement trop bien. Bon, ça sent vraiment trop bon. Là, je l'ai sorti du four et regardez comme c'est fondant à l'intérieur. La cuisson, elle est parfaite. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. La cuisson du pain est parfaite. Franchement, et c'est bien moelleux. Hein. Regardez. Donc, je suis plus que satisfaite de ce air fryer. Là, j'ai hâte de tester encore plein de recettes. Et bien évidemment, je vous les partagerai au fur et à mesure sur ma chaîne. Je suis contente parce que j'ai fait mon petit ménage. La maison est propre. Les enfants sont prêts pour aller au dodo. Il est 19h08. Je vais manger dans quelques minutes. La table est mise. Enfin, genre vraiment, c'est chill pour une fois. Ma foi, j'en profite. C'est de fou. Je suis trop contente et je savoure ces instants où, alhamdoulilah, là, genre tout va bien. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de pleurs. Enfin, genre tout va bien. Et il m'en faut trop peu, moi, pour être heureuse. Hein. Juste passer une journée dans le calme, ça me remplit de joie. Bref, là, je mets mes petites amandes, comme d'hab, dans mes dates. J'aime trop ça. Faut qu'un jour, je me mette une déterre et que je fasse toutes les dates. Et comme ça, après, j'aurai plus qu'à me servir plutôt que tous les jours les refaire. Hop là. Donc voilà, sinon, je suis contente. La journée a été productive. Enfin, quand même, malgré tout, j'ai terminé la vidéo pour le air fryer. J'ai plus qu'à faire le montage tout à l'heure. Mais ça, c'est plutôt chouette. J'ai reçu, comme je disais tout à l'heure, les colis pour ma vidéo EGC. Donc, j'en ai 3 à faire demain. J'ai regardé les scripts. En vrai, ça a l'air d'être assez cool. Ça va pas être un truc de ouf. Ça va pas me prendre énormément de temps. Donc, je suis vraiment contente. Et c'était vraiment, on va dire, le taf qu'il me fallait cette semaine. Niveau vraiment taf, il me fallait la collab pour le air fryer. Et il me fallait les 3 vidéos UGC, donc que je fais demain. Et du coup, Inch'Allah, quand ce sera fait, je serai tranquille. Après, ce sera que YouTube, mais ça, c'est chill. Et ça, c'est ma passion. Je le prends pas vraiment comme un taf. Donc écoutez, je suis contente. Je suis à jour pour cette semaine, ma foi. Je suis très contente. Donc là, je vais aller manger. Je vais prendre un autre verre. J'ai terminé tous mes Raibi. Où je rachète. Allez, hop.
Bref, c'est parti. Donc, comme je disais, ce soir, c'est burger maison. Et voilà à quoi ressemble mon petit pain. Le poulet, il est archi croustillant. Je suis trop contente. J'ai juste trop hâte de manger. Merci, mon bébé. Bon, je vous retrouve, désolée pour la lumière, j'ai uniquement le vidéoprojecteur là qui est allumé. En tout cas, là il est 22h40, je viens de terminer de monter cette vidéo, sauf que j'ai encore du taf, j'ai la vidéo pour le Airfire à monter, donc je vais la commencer même si je la termine pas. Je la commence histoire de m'avancer et autrement la fin de journée bah, c'était tranquille. Vous avez vu avec moi, c'était archi tranquille. Je suis montée coucher Sohan à 20h15, je suis redescendue de sa chambre à 21h15, donc ça m'a pris une petite heure. Mais c'était pas du tout dans les cris, dans les pleurs, c'était vraiment, il était apaisé en fait et ça m'a fait du bien. Après bon, il prend tout le temps un peu de temps à s'endormir quand il fait une sieste, mais c'est pas grave. Au moins la journée elle a été cool et vraiment ça faisait du bien parce que ça fait un moment là que à la maison c'est un peu compliqué. Donc je suis trop contente et j'espère Inch'Allah que ça va durer, mais je pense qu'on va vraiment faire en sorte d'être assidu sur les siestes, même si on sort ou quoi, faut que je m'organise parce que Sohan il en a vraiment besoin, même s'il veut pas dormir, il en a vraiment besoin. En tout cas je vais m'arrêter ici, je vous remercie sincèrement pour tous les commentaires trop gentils que vous m'avez mis en dessous de ma dernière vidéo, pour tous vos messages, vos partages d'expérience, vos messages de soutien, ça me fait vraiment plaisir. Merci, merci, merci. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.